la vieille ville du Caire. Le cœur millénaire de la cité est aujourd'hui encore le centre religieux de la métropole égyptienne. Sur l'artère principale, Al-Muizlidinala, un marchand ambulant vend de l'eau à la réglisse. Une boisson traditionnelle, connue aussi sous le nom de coco, très désaltérante. Tenez, buvez, je vous en prie. C'est ici, dans les quartiers de Gamalia, El Mouski et Darb el Armar, que vibrait le cœur du Caire, jadis la plus importante ville marchande d'Orient. Aujourd'hui encore, de nombreux marchés s'alignent entre les palais antiques. Le plus connu et le plus ancien est celui de Khan el-Khalili. La plupart sont fabriqués ici, dans les nombreux ateliers du bazar. Car le Khan el-Khalili est un marché d'artisans. Quant aux clients, ce sont surtout des touristes. Regarde, c'est le genre de lampe dont je te parlais. Ça te plaît? Oui, assez. Mais je vais voir si j'en trouve une avec des décorations. Elle est un peu trop petite. J'en voudrais une plus grande. Celle-là est super belle. Elle coûte combien? 400. C'est trop? C'est un peu cher, non? 350? À 350 livres, soit 40 euros, le marché est conclu. Dans une rue adjacente, une fenêtre richement ornée attire le regard. C'est la boutique du dinandier Atef Erza. Ce magasin appartenait à mon grand-père, le père de mon père. Il travaillait le cuivre. Il a appris le métier à mon père, qui me l'a transmis à son tour. La décoration, c'est important. Et avec le cuivre, tout est possible. Alors on en fait des vases, des abat-jours, des lustres pour les palais et les grandes demeures, et je fais même des portes. Chaque pièce en cuivre est une œuvre en soi. Je suis ciseleur sur cuivre. Je découpe des arabesques dans le métal et ensuite, je le fais briller. Je donne aux objets leur forme finale d'après des modèles que j'ai dessinés. Comme presque tous les artisans du marché, Atef a son atelier juste à côté du magasin. Ma fiche. Aucune machine n'intervient dans la fabrication. Tout est fait à la main. Notre artisanat est l'un des meilleurs au monde. Le travail manuel permet à l'artisan de faire rayonner son âme. Mon âme est dans mes mains quand je travaille. Ce genre de pièces se trouve d'ailleurs dans les musées. Leur beauté nous fascine. Cette table, par exemple, je l'ai vue dans ce livre, elle m'a plu, alors j'en ai réalisé une copie. Exactement à l'identique, entièrement à la main. Cette qualité,
On ne peut l'obtenir que manuellement. C'est du travail égyptien. S'il y a un pays où on fait tout à la main, c'est bien l'Égypte. Les pyramides en sont la preuve. Elles ont été bâties à la main. Le Nil aussi, il a été canalisé par les hommes, un ouvrage fait main. L'Égypte est la mère du monde. Atef grimpe toujours plus haut dans ce labyrinthe que constituent les vieilles maisons du bazar. Il va rendre visite à ses collègues. Ici, chacun a sa spécialité. Le jeune Ahmed Taha incruste du fil d'argent dans du bois d'ébène. L'atelier de Kamal Mahmoud Charaoui se trouve un peu plus loin. Kamal sculpte des bijoux et des chapelets en os de dromadaire. Depuis l'âge de 9 ans, je suis dans le métier. Je me procure ces os à Belbeïs, dans le delta du Nil. Ce sont des os de dromadaire que je polis et dont je travaille les formes à la machine. Cette fraiseuse a dans les 70 ans. Le jour où mon père a vu que ce travail me plaisait, il m'a installé cette machine et m'a dit « Comme ça, tu auras ton matériel à toi. C'est en bois tout ça. Il n'y a que cette pièce-là et la barre qui soit en métal. Et le ciseau. Le reste, c'est du bois. L'arc aussi. » Ce qui est le plus recherché, ce sont les chapelets solides qui ressemblent à de l'ivoire. L'ivoire est interdit, bien sûr. Ce sont des objets religieux. J'ai aussi un présentoir en bas. Évidemment, c'est cher, ce genre de matériau a un coût. Les os, je les fais venir à prix fort. Ce n'est pas du plastique, ça n'a rien à voir. Ici, on trouve des articles de fabrication égyptienne. Ceux qui préfèrent un objet bon marché, qu'ils aillent l'acheter ailleurs. En ce moment, les affaires marchent au ralenti. Le souk de Ran El Khalili prospère grâce au tourisme. Mais l'instabilité politique fait que les touristes, en particulier les Occidentaux, évitent l'Égypte. Les rares visiteurs qui parcourent encore le pays viennent d'Asie, en général en groupe. Et ils achètent peu de souvenirs. L'écrivain kérote Gamal El Ghitani connaît le bazar comme sa poche. Il est né et a grandi dans la vieille ville. Quand il était jeune, il tissait des tapis dans le bazar de Ran El Khalili. Les 2 années que j'ai passées ici ont été les plus belles de ma vie, car je travaillais avec de vrais artistes. Je suis arrivé en 1967, après la guerre des 6 jours. Ran El Khalili avait souffert. Il n'y avait alors plus de touristes. La même chose que maintenant. Ça va les affaires? Ça bouge un peu? C'était bien jusqu'au printemps. Depuis, c'est très calme. Avant, avec l'exportation, les gens arrivaient quand même à s'en sortir. Oui, mais depuis la révolution de 2011, plus personne ne vient, même les gens de chez nous. Bon, et les diplomates des ambassades? Eux non plus, on ne les voit pas. Je comprends. Dieu vous aide. Heureux de vous avoir vu. Gamal El Ghitani travaillait là, en haut de l'escalier. Tout ce complexe est un lieu historique qui date de l'époque ottomane. Au rez-de-chaussée, il y a les commerces et les artisans, et à l'étage, les habitations. C'est ce genre de bâtiment qu'on appelle Ran. Ici, régnait un système de corporation. Chaque profession avait un maître artisan. À Ran El Khalili, j'ai souvent vu des pères confier leur fils à un maître artisan en lui disant « Tenez, voilà mon garçon, apprenez-lui un métier qui lui permettra de gagner sa vie. » Il est où, ta mère?
Ta mère vient un peu plus tard aujourd'hui. Il sait qu'il peut compter sur moi. J'aidais déjà son père avant. Je l'aidais pour la gestion. Quelles sont vos dernières créations? Ta mère a réalisé ces nouvelles pièces. C'est une table, n'est-ce pas? C'est un tablier de backgammon. Et Abdallah Sissi, le fabricant de lampes? Abdallah, que Dieu ait son âme. Sa fille Zina n'a pas sa boutique ici, mais en ville. Et ça marche bien. Et Hassan Sissi? C'est mon oncle. Votre oncle? Tout à fait. La famille Sissi est spécialisée en marqueterie. Ayman Sissi préfère travailler les matières naturelles, même si le plastique est de plus en plus utilisé dans ce domaine. Je vais vous montrer la différence quand je travaille avec des matériaux naturels et avec du plastique. Voici de l'os de chameau. Je le coupe en tout petits morceaux que j'utilise pour certaines incrustations, quand la pièce doit être réalisée exactement à l'ancienne. Et voilà du plastique. Il est collé d'un seul bloc sans avoir à assembler les pièces une à une. Ça, c'est de la nacre, un coquillage. Parfois, nous travaillons aussi des matériaux comme le plastique à la main. Du coup, c'est une pièce que je peux vendre pas cher, mais ce n'est pas la même qualité. Malgré les explications détaillées d'Ayman, il faut avoir l'œil pour discerner le vrai du faux, surtout dans la pénombre du marché. Pour ceux qui veulent faire une pause dans le bazar Ran El Khalili, une adresse s'impose, celle du légendaire café El Fichaoui. L'un des plus vieux cafés du Caire, ouvert depuis plus de 200 ans, et ce quasiment 24 heures sur 24. Gamal El Ghitani y a ses habitudes. J'ai commencé à venir dans ce café dès l'âge de 6 ans, en compagnie de mon père. Tout le monde se connaissait ici. Les clients pouvaient être des marchands, des habitants du quartier, des intellectuels. Un comédien qui, après sa représentation au théâtre, avait envie de prolonger la soirée. Parce qu'au Caire, il n'y a qu'un seul endroit pour passer un bon moment, le café El Fissaoui. On pouvait aussi venir y tenter sa chance. Un nouveau venu en ville en quête d'un gagne-pain pouvait rencontrer ici quelqu'un d'utile. Encore une chose, et pas des moindres. Jusque dans les années 70, aucune femme n'allait au café nulle part dans tout le pays, sauf au El Fichaoui. C'était indécent, une femme dans un café. Les cafés, c'était une affaire d'hommes. Le café El Fichaoui était bien le seul café où la présence d'une femme ne choquait pas. Le client le plus célèbre était sans conteste l'écrivain kérote Naguib Mahfouz, lauréat du prix Nobel de littérature et décédé en 2006. Les cafés constituent l'univers de Naguib Mahfouz. On peut vraiment le dire. J'ai été son ami pendant plus de 50 ans. Je l'ai toujours rencontré dans des cafés. Il avait ses habitudes ici. Il venait ici par nostalgie. Il a passé son enfance dans une maison de Gamalia. Il a vécu dans ce quartier et s'en est inspiré pour tous ses personnages. Ici, en particulier dans la vieille ville, on dit de quelqu'un qu'il est un enfant du pays. L'enfant du pays a une certaine personnalité. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas instruit, mais qui possède un patrimoine culturel qu'on appelle ici les usages. À Gamalia, Darb El Ahmar et El Mouski, les vieux quartiers qui entourent le marché, les cafés sont moins légendaires. Les moyens de transport parfois archaïques, mais les rues très animées. C'est ici que les kérotes font leurs courses, car l'offre abondante de marchandises en tout genre ne s'arrête nullement aux portes du Ran El Khalili. En fait, toute la vieille ville est un énorme bazar. «
Sur le marché aux fruits et légumes, Youssouf Anour continue d'installer son stand. Les marchandises arrivent entre 23h et minuit. Tout le monde va se coucher après la prière du soir, mais moi, je reste éveillé. J'ai l'éclairage de la rue pour réceptionner la marchandise. Mais une livraison peut aussi arriver à 3h du matin, ça dépend du transport. Je décharge et je distribue. 5 ou 10 cagettes de tomates pour un tel, des oranges pour un autre, 20 laitues pour ce bon monsieur Mohamed Sakina, si serviable. Il ne dit jamais non quand on a besoin de quelque chose. Mon père est né en 1904 et ce café appartenait à mon oncle Zakaria. Il a été le premier marchand de légumes dans le quartier. Il a porté ses légumes et les disposait sur son stand, les courgettes à 1 sou le kilo ou les tomates. Le prix était indiqué. Lui, il allait au café et jouait toute la journée avec les clients. Le soir, il trouvait l'argent posé là sur le stand pour tout ce qui avait été acheté. Il n'y avait jamais de vol. Ce n'est plus comme ça de nos jours. C'est fini. Il faut être à 5, avec tous ces voleurs. Un gars a faim, il attrape un truc et détale, dans l'indifférence générale. Ok. Ok. Quelques rues plus loin, les marteaux résonnent. C'est la rue des forgerons et des chaudronniers. Bonne. C'est la rue des forgerons et des chaudronniers. Ici, on peut acheter tout l'équipement nécessaire pour ouvrir un café. Non loin de là, on fabrique et vend des pipes à eau, les fameux narguilés ou chicha. La boutique des Sam et Mohamed Ismail est l'une des plus importantes. Accroche celui que tu as dans la main. Regarde ce qui manque et complète les rangées. C'est à la mode aujourd'hui, bien sûr. Les femmes s'y sont mises et les jeunes aussi. Même à l'étranger, dans les pays européens, on achète des chichas. Les temps sont durs parce qu'il n'y a plus de touristes. Je vis du tourisme et je ne suis pas cafetier ni restaurateur. Je suis vraiment dépendant des touristes à qui je vends des chichas. C'est mon métier. Je compte sur le client européen qui va acheter les modèles métalliques d'une seule pièce, ou juste la bouteille, ou une chicha complète. Je les achète finis. Mais les chichas, personne ne les fabrique entièrement. Les ateliers, il y en a tellement, c'est impressionnant. Les pièces sont fabriquées dans 5 ou 6 endroits différents. Et l'assemblage se fait ailleurs. Cette partie supérieure, là, le bec de la chicha, on la passe à la fraiseuse. Fabrication, commercialisation, le produit passe par beaucoup d'étapes. Dans un atelier, dans une verrerie par exemple, on trouve entre 400 et 500 ouvriers. À cela s'ajoutent ceux qui emballent les marchandises, ceux qui les transportent, etc. Ça fait beaucoup de monde. Et pourtant, quand le tourisme marche, il y a du travail pour tous. L'un des ateliers de fabrication est à 2 pas. La petite entreprise familiale d'Omar Farah est spécialisée dans la fabrication des tuyaux de chicha. Tous ceux qui m'entourent sont mes frères, mes neveux, mes amis. Nous sommes tous proches. Alors on veille les uns sur les autres. Il faut que ceux avec qui tu travailles t'apprécient et te soient fidèles. Le cuir nous arrive tout blanc comme ça. On le découpe en lanières et on le travaille par petits bouts.
Une chicha fonctionne bien si le tuyau est parfait. S'il n'est pas bon, s'il y a une fuite ou si ça ne tire pas, alors la chicha est à jeter. Tout doit être impeccable dans une chicha. Aucun ordinateur ni aucune machine ne peuvent intervenir dans la fabrication du tuyau. Même les Chinois ne s'y risquent pas, eux qui se sont mis à tout. La bombe atomique, d'accord, ils peuvent le faire. Mais l'artisanat, le produit égyptien, ça, non. Ils n'y arriveront pas. Les rues médiévales de Gamalia sont le lieu de travail d'Ashraf Farmi. Il est responsable des monuments historiques dans ce quartier où il connaît tout le monde. C'est un joli quartier populaire ici, plein de simplicité et de gentillesse. Les personnes âgées ont droit à des égards et les petits à de la bienveillance. Malheureusement, le niveau d'études des gens du quartier n'est pas très élevé. Les gens ne connaissent pas la valeur de leur patrimoine. Le secteur compte pourtant un très grand nombre de monuments historiques. 107 sont répertoriés dans le quartier. Quels rois et sultans ont vécu dans la cité? Quel est le palais du prince Beshtak? Et qui est ce Beshtak? Ce sont des choses que les gens ne savent pas, alors qu'ils vivent au beau milieu de ces vestiges du passé. Ashraf Farmi ne se lasse pas de raconter aux habitants du quartier quels trésors les entourent. Comme le palais de Beit As-Suaimi, un palais de marchands du XVIIe siècle entièrement restauré. Beit As-Suaimi est un modèle d'architecture islamique de cette époque-là, avec son ornementation qui intégrait la belle poésie arabe et le filtrage de la lumière. Cet éclairage voilé assure une certaine sérénité aux habitants des lieux. Le vert coloré contribue également à l'ambiance harmonieuse du lieu. Retour au souk de Ran El Khalili. Sayed Abdel Raouf, le marchand d'objets en verre, reçoit une cliente. C'est peint à la main? Et ces verres, ils sont uniquement décoratifs? Oui, c'est pour la décoration. Ce sont des verres faits à la main. Ils coûtent combien? 20 livres chacun. Tout est fabriqué ici. Toute la famille travaille dans le verre. Mon père, mes frères, nous sommes tous dans la branche. Nous achetons le verre au kilo en grande quantité et nous le faisons fondre dans notre atelier. Ensuite, nous le façonnons et lui donnons différentes formes. Verre, vase, lustre. À cause de la pollution qu'ils engendrent, les ateliers de soufflage ont été contraints de quitter le bazar pour s'installer en périphérie de la ville. Ici, il n'y a plus que 3 ateliers. Seuls 6 artisans y travaillent. C'est un problème. S'il arrive quelque chose à ces 6 gars, il n'y aura plus personne pour faire le boulot. On n'apprend plus le métier. Un jour viendra où on ne trouvera plus un seul artisan. Prenez le cuivre. Avant, on travaillait bel et bien le cuivre manuellement. Mais aujourd'hui, la tradition est en train de se perdre. Et on importe des produits fabriqués en Chine. Du verre mouski. C'est ainsi qu'on appelle ces verres colorés, encore fabriqués à la sueur et au souffle d'une poignée d'hommes. Ce client est l'artiste verrier Hassan Arabesque. Lui aussi a dû arrêter d'utiliser son four en ville et depuis, il fait réaliser ses pièces ici. Hassan Arabesque vit en périphérie de la vieille ville. Sa maison fait office de boutique.
Avec sa femme, il a aménagé avec grand soin la présentation de ses pièces. À l'intérieur du magasin, c'est un décor digne des Mille et Une Nuits. Le fils et le petit-fils d'Hassan passent parfois donner un coup de main. Cuisine, chambre à coucher, escalier, terrasse, la maison entière est un showroom. Le souffle de l'homme est créateur. Je prends ma respiration et je souffle. C'est mon métier. Il est source d'art, de créativité, de bien-être. À combien peut-on évaluer ce travail? Eh bien, si ce n'est qu'une question d'argent, alors au diable. Nous, on préfère que les gens soient sensibles à notre art. Le client qui entre chez moi aura droit à toute mon attention, jusqu'à son départ. Le plus important quand vous achetez quelque chose, c'est que vous repartiez avec le sourire, et pas que je vous soutire quelques misérables euros ou dollars, et que vous vous disiez ensuite, ce type n'est pas correct, je ne mettrai plus les pieds chez lui, ce serait ma fin. Tout Ran El Khalili se fournit chez nous. Ran El Khalili nous donne du travail et on lui en donne en retour. Il faut à tout prix sauver ce quartier. C'est l'histoire, c'est important. Les lieux comme la mosquée Al-Hussein, Ran El Khalili ou le café Fichaoui, c'est ce qui fait notre âme. La maison d'Hassan jouxte la ville des morts, le vieux cimetière. La pénurie de logements au Caire a poussé certains habitants à s'y réfugier. Même si aucune tombe n'a été ajoutée depuis longtemps, Hassan a déjà préparé la sienne. J'ai fait inscrire mon nom dessus pour l'éternité. Hassan Arabesque est mort, mais Hassan Arabesque vit toujours. Il ne mourra jamais, il est dans l'histoire. La vie des habitants de la vieille ville est rythmée par l'appel à la prière 5 fois par jour. Dans le bazar, les mosquées jouent un rôle important. Le cheikh Ahmed Hassan est l'imam de la mosquée Barzbeï, situé sur la route principale. Les fidèles qui fréquentent la mosquée sont des gens de la rue Al-Mu'izzidin Allah, dans le vieux Caire fatimide. La mosquée est au service des commerçants pour tout ce qui concerne les consultations religieuses. Ils viennent avec des questions sur ce qui est permis ou pas, sur les transactions autorisées ou non dans l'islam, les poids et mesures, par exemple, pour ne pas tricher dans les affaires. Toutes ces interrogations, la mosquée s'en charge. Elle sensibilise la population aux règles de comportement entre les personnes. La mosquée Al-Hussein se trouve juste à côté du souk Ran El Khalili. C'est un des lieux saints de l'islam en Égypte. En face se trouve la mosquée millénaire Al-Azhar et sa célèbre université. Le magasin de plantes aromatiques et médicinales d'Ahmed Zalat est juste à côté. Cet endroit est empreint de spiritualité. Il profite d'une inspiration divine. La mosquée Al-Azhar, le tombeau d'Hussein, le petit-fils du prophète, Ran El Khalili, Bazar Kariya, on y sent le parfum de l'histoire. Les herboristeries et les épiceries exhalent le parfum des temps passés. Les herbes chez nous, c'est aussi vieux que le monde. En Égypte, on dit, si les herbes ne vous font pas de bien,
Elles ne vous font pas de mal non plus. Je compose avec environ 36 000 plantes. Je dois connaître les propriétés de chacune. Le traitement par les plantes dépend de la confiance que la personne a dans les plantes. Celui qui est convaincu que les plantes vont le guérir se remettra d'aplomb, même si je ne lui donne pas grand-chose. Le fait d'y croire fait 70% des chances de guérison. Ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas le docteur non plus. C'est Dieu qui accorde la guérison par mon entremise ou celle du médecin. Non loin de là, sur le marché aux épices, appelé Hamzaoui, les clients trouvent toutes sortes d'herbes, utilisées aussi bien dans la cuisine que pour se soigner. Hassan Arabesque et sa femme font régulièrement leurs courses ici. « Dieu veut que tu vives bien », dit Hassan à sa femme. On prend de la coriandre, du poivre, du cumin. Pour farcir un citron, on l'ouvre et on le remplit de sel, de safran et de céleri. C'est comme ça qu'on fait. Chaque galerie est consacrée à un commerce spécifique. Hamzaoui, c'est le coin des herboristes et des marchands d'épices. Saga, ce sont les orfèvres. Gouria, les vêtements. Les touristes apprécient beaucoup nos produits et en achètent. À la fin de leurs achats, je les accompagne et les guide dans Gouria. Un jour, une Européenne m'a demandé de rester avec elle, et d'autres aussi, parce qu'ils se faisaient beaucoup arnaquer quand ils étaient seuls. Depuis, chaque fois qu'ils viennent faire des courses, je vais avec eux. Le quartier de Gouria doit son nom à la grande mosquée El Ghouri, à l'entrée du quartier. Le cheikh Hassan est venu commander un nouveau couvre-chef, un imam sarik, le chapeau des imams. Dans l'atelier d'Ahmed Mohamed, les tarbouches sont faits sur mesure. J'en voudrais un à la maghrébine, de forme allongée. On va le rallonger à la machine. Vous le voulez avec un châle ? Je voudrais quelque chose de très soigné. Le mieux, c'est le coton. Chez Ahmed Mohamed, le client peut assister à la confection de son chapeau et demander des retouches au moment de l'essayage. Il serre. Il serre ? Pas de problème. Voilà. Il est exactement comme vous l'avez souhaité, non ? À l'autre bout du quartier de Gouria, se trouve une longue galerie couverte. C'est le Rayamiya, le marché des fabricants de tentes. Jadis, les toiles pour les caravanes de dromadaires étaient fabriquées ici. Aujourd'hui, les patchworks cousus à la main sont une des spécialités du marché. C'est sans nul doute Tarek El Safti qui vend les plus belles pièces. Tapis, housses de coussin et nappes colorées. Les patchworks exigent un coup d'œil, du discernement et du doigté. Ce genre de travail requiert beaucoup de réflexion pour bien assembler les pièces, agencer les teintes. Cela demande une grande concentration. Ce sont les couleurs qui font toute la beauté de l'ouvrage. C'est ici qu'était confectionnée la tenture de la Kaaba autrefois. Elle était transportée à dos de dromadaire jusqu'en Arabie Saoudite. Cet artisanat subsiste probablement parce que la couture existe depuis la nuit des temps. En revanche, j'ai constaté que le patchwork ne remonte pas plus loin que l'époque fatimide. Tarek El Safti se bat lui aussi pour faire vivre son commerce. Mais heureusement,
il peut compter sur une clientèle fidèle, notamment parmi les étrangers vivant au Caire, pour qui il travaille sur commande. Ce n'est pas le cas de nombre de ses collègues qui attendent en vain les touristes. Le long de la rue Mouski, en revanche, il y a toujours foule. Elle croise Al-Mouizli Dinala, l'ancienne rue principale du Caire. Ici, les Kérotes achètent des vêtements et du tissu. Moubarak Rizk, le marchand de dromadaires, vient environ une fois par mois. Et c'est un as du marchandage. Je voudrais un cachemire indien. Regardez ça. Attendez, je vous montre d'autres coloris. C'est du vrai cachemire d'Inde. 100 livres. Non, passer de 180 à 100, c'est impossible. Je peux baisser de 10 livres. Allez, je vous le laisse à 170. Je fais vraiment un effort. 120. Non, impossible. D'accord, si c'est comme ça, je vous cherche de l'égyptien et je vous le fais à 40 livres. 120. Je vous le laisse pour 160. 120. 155. Et quoi d'autre? Je vous mets celui-ci? Non, un seul. Sur le chemin du retour, Moubarak achète un petit cadeau pour son fils. C'est ici que travaille Moubarak, sur le marché aux dromadaires, à Birkesh, à la limite occidentale de la ville. Les animaux vendus viennent du Soudan ou de Somalie. La plupart sont destinés à la boucherie. Mon père travaillait sur le marché. Il m'y emmenait quand j'étais petit. J'ai toujours aimé ce métier et maintenant je l'exerce à mon tour. Je suis courtier. Je m'installe à l'extérieur et quand un client a besoin d'un ou deux jeunes dromadaires, un boucher ou quelqu'un qui veut des bêtes pour les faire travailler ou les engraisser, je les lui cherche. Je l'accompagne et les lui trouve. Disons que je prends 20 livres de commission par tête. 20 livres, c'est pour ne pas trop peser sur le prix. Demander plus, c'est facturer aux dépens de l'acheteur. Une fois la marchandise vérifiée, les négociations peuvent commencer. Elles ont lieu selon un rituel bien précis. Prix estimé pour ce dromadaire, entre 5 et 6 000 livres, soit 7 à 800 euros. C'est seulement quand le vendeur, l'intermédiaire et l'acheteur se serrent la main en même temps que la vente est conclue. Il faut passer le long des pyramides et traverser un pont sur le Nil pour rejoindre le quartier du marché. La place Hussein baigne dans une lumière de soleil couchant. Les vendeuses de souvenirs se sont installées dans le coin sud de la grande mosquée Al-Hussein. Dans une rue adjacente, Karima Mahmoud s'apprête à rejoindre son stand. J'habite là-bas, dans la rue derrière nous. Le soir, je range tout, je ferme mon stand et je rentre chez moi à pied. Et le matin, je reviens à mon stand. Je viens et je pars quand je veux, comme j'en ai envie. Ça fait 45 ans que je vends des souvenirs.
Pour Karima, c'est en général en fin de journée que les affaires sont les meilleures. Là-bas, au pied de la grande mosquée, Karima va vendre ses souvenirs une bonne partie de la nuit. J'ai pas mal de clients, d'Arabie Saoudite, du Koweït, des Émirats, de Libye et du Liban. Ils viennent se recueillir sur le tombeau d'Hussein, le petit-fils du prophète, et recevoir sa bénédiction. Ils emportent des cadeaux, des colliers ou des boucles d'oreilles pour leurs fillettes ou des bijoux pour leurs fiancés. Si je voulais rester jusqu'au matin, je pourrais, en toute sécurité. Ceux qui viennent ici n'ont absolument rien à craindre. Okay.